Another day, another collier Amazon. C'est vraiment gênant. J'ai mis le sac quelqu'un solide. Cette caméra-là est tough. Je vais tuer du bois, là, mais... Ça fait plusieurs fois dans ma vie que je l'échappe, puis elle va encore très bien. Lâche pas, ma belle. Je disais donc que c'est vraiment gênant le nombre de colis que je commande. Mais en même temps, en déménageant, c'est sûr qu'on a besoin de beaucoup plus de trucs qu'on n'avait pas avant. L'appartement est plus grand de un, puis j'ai vraiment que ce soit plus beau et plus organisé que l'autre appartement. Fait que ça fait en sorte qu'on a beaucoup de choses à acheter. Mais tu sais, vous le savez, puis j'ai pas à me justifier non plus, mais je dépense pas comme ça normalement. T'sais. Donc, ce que c'est deux tables de chevet. Est-ce que ça a l'air de deux tables de chevet? Pas tant que ça. Je les ai commandées hier. Ils sont déjà arrivés. Fait que je vais comme les monter pour que quand Vic arrive, il reste juste. Ok, c'est vraiment pas gros. Non, ça va être correct. Pour que quand Vic arrive, on puisse monter la base de lit. Puis après ça, mettre les tables de chevet qui seront déjà montées. Parce que je veux pas mettre les tables de chevet avant. Si je vais attendre. Je vais vraiment monter la base de lit en premier. Puis après ça, décorer en conséquence de ça. Pour comme les emplacements et tout. Ça a vraiment l'air très simple à monter là. D'après moi, il y a comme deux étapes. J'aurais voulu qu'ils soient mâts par contre. Ils sont pas comme 100% mâts. Ils sont pas blanches non plus. Ils sont comme beige. La couleur est pas excellente là. To be honest. Je vais aller chercher ma drill qui est juste ici. Vous voyez un peu qu'est-ce que je fais. Fait que je vais commencer par les monter, puis je vous montrerai après comme qu'est-ce que c'est, puis où est-ce que je pensais les mettre. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ces deux petites tables, tables avec des guillemets, qui seront pas, ils ont pas de pattes. Dans le fond, on va les mettre directement sur le mur, comme ça. Fait qu'on va avoir comme deux petites tablettes chacun. Puis, je vais vous montrer, mettons, dans la chambre, là. Vu que j'ai un lit king qui est immense et qu'on n'a pas beaucoup de place, on pourra soit les mettre ici, sur ce mur-là, ou moi, je pensais peut-être plus sur celui-là, là, tu sais, à la hauteur qu'on voudra. Fait que ça va comme être comme ça, ça fera pas, prendra pas de place par terre. Ça va faire des petites tables de chevet de chaque côté, sauf qu'en fait l'autre va falloir la mettre sur ce mur là où il y a le miroir. Fait que peut-être que je la mettrai là aussi pour que ça soit comme pareil des deux bords là, mais en tout cas à suivre. Puis elle est pas blanche blanche, c'est comme un peu beige, puis elle est comme lignée. Fait que pas tant d'onde de ça, je pensais que ça allait être blanc mat genre, mais bon, c'est pas la fin du monde. Puis pour vrai, c'était vraiment pas cher. Je pense que c'était 38$ par table de chevet. Fait que c'est vraiment pas cher. C'est sûr que c'est pas gros, puis tu peux pas comme mettre grand chose. Mais justement, pour une chambre qui a moins de place, je pense que ça peut vraiment bien dépanner, puis être vraiment cute aussi. Il y avait aussi les côtés. Moi, selon moi, il y avait les côtés or, si jamais ça fitait plus dans votre décor. Mais moi, évidemment, noir, ça fitait vraiment plus. Fait qu'il restera à poser ça. Attends, est-ce que je suis beau? Ok, je suis là. Acceptable. Allô, de retour à Montréal. Un revenant! Oui! Ça fait genre deux semaines, même plus que deux semaines. Oui. Non, deux semaines. Ça fait deux semaines qu'on t'a vu dans les vlogs, mon ami. Oui! She's back! Oui! Il est venu hier soir, il était quelle heure? T'es hors 9h, genre? 9h, oui. Je revenais de Ottawa. Puis, on a trouvé sincèrement que ça n'a pas été si long, sans vignette, surprenamment. Ouais, mais c'est quand même pas cool. Mais c'est sûr qu'il s'en prend une vignette. Ouais. Ça va être vraiment mieux qu'une vignette. Ah, je m'étais fait couler un café aussi. J'ai oublié de le prendre. Il est 10h30, donc slow morning, et je pense que ça va être une fin de semaine assez relax. Il annonce la pluie toute la fin de semaine et il pleut présentement. Il en annonce encore plus demain. Fait que, vraiment, je vais me faire couper les cheveux, mes cheveux sont tellement épais là. Fait que ça va être une fin de semaine très relax, et en même temps c'est parfait parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire ici. Fait que ça va être parfait pour ça, on sent moins mal quand il fait pas beau de genre rester en train de faire des trucs que quand il fait genre full beau, puis on va profiter des derniers moments d'été. Mais là, c'est tout l'été du tout. Là. Non, là, l'été c'est cancel, ça fait 17 semaines. C'est it's over, it's over. Fait que le plan de la matinée, ça serait finalement faire la chambre parce que je suis vraiment tanné que la base de lit traîne là-bas. Le pire, c'est que ça sera pas comme long à faire, faut juste. Ben, les choses sont fous à matin. Là. Ça sera pas long à faire, faut juste le faire, monter la base de lit, regarder si l'affaire de bois que j'ai acheté fait. Je sais même pas si ça fait, mais d'après moi, oui. J'ai pris la bonne grandeur, fait que ça devrait faire. Puis après ça, les tables de chevet, les cordes. Les cordes, on va se remettre les mêmes que j'avais là-bas, où tu dis? Les cordes? Tu sais, les petits cordes que j'avais, là. Ouais.
Sinon, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre, on mettra pas rien. Fait que ça, puis cet après-midi, on irait peut-être chercher ta balieuse chez vous. Ouais. Je serais allé au village des valeurs. Porter mon énorme sac de 1, puis aller voir, c'est plutôt intéressant. Le village des valeurs, c'est pas cher, des belles affaires. Fait qu'on commence par la chambre. On s'est vraiment fait prank, la base de lit ne rentre pas. Ben elle rentre dans la chambre en fait, elle rentre, mais la porte ne ferme plus. Parce que mon matelas, on aurait dû y penser, là, il est vraiment juste que la porte ferme. Puis ma base de lit, il y a comme premièrement, où la tête, il y a une, je sais pas comment on appelle ça, là, mais genre une grosse affaire, fait que ça prend comme au moins ça. Puis tout le tour de la base de lit, il y a un autre, un bon 3-4 pouces comme il faut. Même plus, 6 pouces tout le tour, fait que ça fait que ça prend plus de place. Fait qu'on a dû la démonter, puis je l'ai jeté parce que pour vrai, quand même, magané. Les chats l'ont comme pas mal griffé. Les planches de bois en dessous, comme je vous disais, sont décalissées, fait que je vais pas vendre ça comme ça. Puis l'affaire, c'est que la base de bois que j'ai acheté, je pense pas qu'elle fait. Je suis pas sûr à 100%, je l'ai pas ouvert. Fait que je vais juste aller la rembourser, c'était 70$. Fait que tu sais, rendu là, j'aurais vendu la base genre 80-100$. Fait que j'ai juste jeté. Je vais rembourser l'affaire, puis on va s'en acheter une autre qui va être vraiment égale au lit, puis on va être sûr que ça rentre. Fait que là on peut pas faire ça aujourd'hui, on va peut-être commander sur Amazon, on a trouvé une paupière qui était vraiment pas chère, je pense 180$ en spécial, en métal, fait que ce serait parfait. C'est ça, retourner chez Ikea, retourner ça, et les autres affaires aussi là, peut-être la poule de rideau, on n'est pas sûr si on met des rideaux dans le salon ou non. On a à se décider, fait que peut-être bien retourner un panneau de rideau et les poules, puis sinon la petite étagère commode là, qui allait dans la salle de bain. Fait que là moi je vais coller les retours Amazon, vu qu'il m'avait imprimé ça cette semaine, je vais coller ça, ça va être prêt à les poster tantôt. Mais qu'on parte pour l'après-midi. Les affaires qu'on a reçues dans celui-ci un peu, non? Comme c'est pas final, on peut changer les trucs. Comme je disais ça. Quoi? Ouais. Ouais. Ils ont changé ça, mais c'était pas des petites portes comme ça ici avant. We're back de notre petite visite au village des valeurs. On n'a pas été super longtemps parce que dans le fond, on est allé chez Vic chercher la balayeuse, voir qu'est-ce qu'il y en était pour le divan, si on prenait ces divans ou pas. On va finalement sûrement les vendre au lieu de le déménager parce qu'il est comme beige, parce que ça ne fêterait pas de temps. En tout cas, on n'est pas encore décidé qu'est-ce qu'on fait avec le divan. Dans tous les cas, on ne l'apportait pas aujourd'hui, on allait vraiment plus voir. Moi, on a rapporté la balayeuse, puis son coloc était là, donc on est resté comme une bonne partie de l'après-midi. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas eu full le temps au village des valeurs, mais au moins le linge débarrassé. J'ai fait un petit tour rapide, j'aurais resté plus longtemps, mais ça a fermé, on a eu comme une demi-heure. Sauf que j'ai trouvé cette trop belle couverte-là, grise comme ça, à pattern vraiment grande. Fait que ça va être une belle couverte pour mettre genre sur le divan. C'est comme là que j'imaginais. Fait que vraiment juste gris et blanc. Elle est revenue à 12$, je pense qu'elle était 10 et quelques, fait qu'elle est revenue à 12, vraiment pas cher. Ça va faire une belle petite déco, fait que je vais mettre ça au lavage parce que c'est un peu écœurant. Et là, je pense que j'ai finalement reçu ma troisième paire de sandales. Les Birks, j'ai pas encore vendu les autres, le monde m'écrit mais elles me reviennent comme plus ou moins. Puis la première paire que je m'étais fait voler, je sais pas, je vous l'avais dit que j'avais rappelé à la compagnie qui allait me revenir par courriel. Ils me sont revenus puis ont dit qu'ils pouvaient rien faire vu que ça avait bel et bien été livré. Fait qu'ils m'ont dit que le dernier recours c'était de comme contacter la police pour genre vol, mais là je vais-tu vraiment contacter la police pour ça? Et je sais pas. J'étais allé voir sur internet pour faire genre un... Parce que tu peux comme faire un rapport sur internet de vol. Puis ça me disait que ça marchait pas, genre la page fonctionnait pas, mais en tout cas. Je verrai qu'est-ce que je fais. Oh non! Je pensais que c'était mes sandales, mais c'est un prank. C'est les gris noirs que j'avais racheté pour le rangement. Fait que c'est vraiment un prank. Mais je trouve ça bizarre parce que... C'est comme pas un collier Amazon, on dirait. Mais pourtant, ça venait d'Amazon. En tout cas. C'est un prank. C'est pas mes sandales. Je pensais que oui. C'est un prank. Quoi? C'est les gris, c'est pas mes sandales. C'est les gris? Les grilles. Ah. De rangement. Mais je t'avais dit, monsieur. Mais c'est bizarre, c'est pas un collier Amazon. Non, on dirait le collier Amazon. Well, I'm done. Anyways. Il y en a un qui aime déjà beaucoup la nouvelle couverte.
Oh mon amour, t'es bien là-dessus? On est rendu dimanche, je suis présentement dans l'auto. Il est 2h30, puis là j'attends Vic, il est parti à la pharmacie parce qu'il avait besoin de photos, genre des photos type passeport, mais je sais pas pourquoi exactement. J'ai comme pas demandé. Mais il a besoin de ça, fait que là on est à la pharmacie. Ce matin, on est allé au Costco premièrement faire la carte à Vic, parce que quand je suis allé avec Malo, je l'avais comme inscrit comme deuxième personne, mais il avait pas fait la carte vu qu'il était pas là. Fait que ça a vraiment pas été long, vu que j'avais déjà rempli tout le formulaire, elle a comme pris ma carte, elle l'a scannée, elle est rentrée dans le compte. Il a pris sa photo à l'imprimer et ça a été tout. Ça a pris environ une minute pour de vrai. Ça a vraiment pas été long. On a aussi fait des achats au Costco tant qu'à être là parce que ben, on était là, on a besoin quand même quelques trucs. Fait que je vous montrerai ça. C'est tout en arrière ici. Puis après ça, on est allé au Ikea. Donc faire les retours de les deux panneaux de rideau. Finalement, je les ai retournés parce que rideau gris, finalement, je suis pas down. Je vais en commander des noirs sur Amazon. Je pense que ça va être plus beau des noirs vu que tout l'appartement est déjà très pâle, très blanc. Je pense que noir ça va être mieux. Puis on a retourné l'étagère de la salle de bain et la base de lit en bois que j'avais acheté pour mon lit. Fait que... Ah, Vic arrive. Il comprend pas. Fait qu'un 286... Oh, j'ai barré la porte. J'ai barré la porte, il y avait des itinérants, tantôt j'avais peur. Quoi? J'ai barré la porte, il y avait des itinérants, j'avais peur. Hein? 286 de retour. Puis on a acheté d'autres choses, je vais vous montrer ça en arrivant. C'est quand même beau. Est-ce que tu veux montrer ta photo? Pourquoi t'as une photo comme ça? Pour Nicole. Hot. Mais je trouve que le monde est souvent hot sur leur photo de passeport parce qu'il faut être sérieux pis c'est hot genre. Fait que voilà, ça a été ça pour aujourd'hui. Là on s'en va à Verdun parce que j'ai trouvé des tabourets pour notre petit comptoir, 70$ pour deux, ce qui est vraiment pas cher parce que des neufs là c'est comme proche de 200$ voire plus par tabouret. Fait que là ça va être parfait, ils sont en plastique avec les chaises comme en métal, ça va fitter avec nos autres chaises qu'on sait pas encore si on va garder. J'ai commandé des housses d'ailleurs pour ces chaises là. Si ça fait avec les housses, on gardera peut-être ces chaises là. Fait que petits tabourets qui vont full bien faire pour le comptoir, ça va être vraiment pratique. Puis c'est qu'en plastique, les chats pourront pas les scraper. C'est la même que moi mais en noir je pense. Moi, non, la face. Moi, il y a juste une vitesse, mais c'est la même sinon. Mais c'est acheter une brosse dent électrique. Elle était combien finalement? 60. Parce qu'on avait. Elle vient avec quand même une autre. Une autre tête. Une autre tête. Ça, c'est pour mettre en dessous, j'imagine. Parce que. Quoi ça? C'est pour mettre dessus si on a deux pareils pour les différencier. Genre, moi, j'aurais un rond rouge et un rond bleu. Mais ils ont pas la même couleur, faut qu'on va pas se mêler. On avait regardé au Costco ce matin pour les brosses à dents électriques, mais ça venait en paquet de deux. Qu'on n'a pas besoin de deux comme j'en ai déjà une. Fait que là, pharmacie, ça sera. Il y en avait une à 29, là. Pourquoi tu l'as pas pris? 34, ouais. Ben, j'avais juste une vitesse. Ça va avoir du plate. And what? Je voulais avoir plusieurs vitesses. Pourquoi? Tu veux même pas les utiliser. C'est ça que tu vas en prendre la même vitesse en plus. Non. Tu ne sers à rien. Tu sers à rien. Bon, on va vous montrer les achats par la suite. Mais là, j'avais bien trop hâte de vous montrer le petit cadeau qu'on a acheté pour les minous. C'est pas exactement lui qu'on voulait. Il y en avait un plus beau, moins cheap, mais il l'avait plus. Il n'y en avait plus dans le panier. Fait que je pense qu'il avait juste comme ouais. Sold out. Il est de bonne qualité, je pense. La seule affaire, c'est que l'autre était mou. Esthétiquement, il avait l'air plus beau. Ouais, c'est ça. Mais il va être full solide parce qu'il y a un zip dans le fond. C'est comme les bacs de linge de rangement que j'ai. Ouais. Ça c'est aidez-moi. Non, attends, fais juste zipper le fond. Tu enlèves. Ah, ça c'est au fond. C'est ouais, au fond. Mais zippe-le avant. C'est ça que je veux dire. Ok. Bon, le Jake qui veut déjà aller voir c'est quoi là. Ah, qui sait beaucoup pas c'est quoi là. T'es comme un ça. Non, mais nous, ce sera pas le fond, ça fait qu'on va pas. Ça va faire le toit, ça se tient dessus. Ouais, c'est le toit. C'est le mal envers, ça tient. Ouais. Et au pire, ça ferait une petite surprise dans ma main. On leur a acheté le petit matelas aussi, mais attends, je vais couper l'étiquette. Avant. Ah, attends, ça. Je sais ici. Oui. Non, déchire-le pas, j'ai peur que ça défasse la couture. Attends, là, il y a. Eux qui ont beaucoup hâte, là. Pour tout ça, on peut le mettre là, ouais. Tiens, allez voir, c'est quoi mes chéris là-dedans? Mais là, ils vont se battre pour y aller, ils peuvent pas rentrer les deux. Ah, attends, laisse-le. C'est bien. Eh hey, mon amour, ils rentrent pas les deux, franchement. Drake, elle lave. C'est comme une nouvelle maison. Drake est beaucoup pris, là. On aurait pu en acheter des et en mettre un au-dessus, il y aurait comme...
Ah, sinon, ça aurait pas été assez solide, tu penses. Il aurait fallu trouver une personne d'attacher, genre. Parce que ça aurait été cool, il aurait eu chacun leur petit spot. C'est comme une amour, t'es bien? Loulou qui est vraiment emprisonné, ça part. Elle qui est vraiment pris derrière, là, elle a aucune option, hein. Un petit chou! C'est sûr qu'ils vont pas l'aimer ça. C'est la belle maison, ça, hein? Les chats aiment vraiment leur petite affaire, je me doutais bien, parce que dans l'arbre à chat, il y a une espèce de boîte, puis Louis est tout le temps couché dedans, fait que je savais qu'elle aimait ça, ce truc-là. Fait que si on commence par le Costco, muffin comme ça, que Vic voulait, on a pris les doubles chocolats, ainsi que des rayures de chocolat. Fait que ça pour des petites collations qui sont vraiment huge. On a pris des fraises qui ont déjà été entamées, fraises du Québec qui sont vraiment très bonnes. Je me suis pris un pack comme ça de 5 DO, les Old Spice, vraiment pas cher, je pense, 14$ pour 5. C'est genre le prix de 2, je pense, en pharmacie. Vic s'est pris un lait, toujours pratique, il en boit quand même beaucoup. On a pris ici du tilapia comme ça, fait que je vais mettre au congélateur tout de suite parce que ça a déjà commencé à décongeler. On n'a plus beaucoup de place. Faudrait faire un ménage dans ce congélateur-là. Il y a vraiment bien des affaires qui pourraient être jetées pas mal. On a pris des raisins, beau pack de raisins verts comme ça. Un énorme pack de poulet. Fait que ça, vraiment économique, wesh, on l'a vu glisser, c'est un peu écœurant. C'est sûr que ça, ça va devenir bien moins cher. Vu que c'est pris une belle ceinture comme ça, noire, il en avait besoin d'une. Je sais pas s'il a perdu la sienne ou I don't know, mais il a besoin d'une ceinture. Sucre blanc, qu'on avait vraiment un fond qui nous restait. On a du riz aussi, que je sais pas, il est où. Une grosse poche de yogourt comme ça, ça va devenir économique. Un paquet de Yop. Ça, c'est comme par exemple pour les déjeuners. T'en prends un quand tu déjeunes le matin, ça fait la job. Fait que tout ça, c'était le Costco, 176$, fait que c'est quand même cher, on a quand même beaucoup de stock, tu sais, c'est des grosses quantités. Au Ikea, j'ai pris un pack de 6 verres comme ça, des verres vraiment simples, mais j'ai pas beaucoup de petits verres juste pour boire, des verres vraiment simples. C'était 10$ pour 6 verres, vraiment pas cher. Un kit d'ustensiles comme ça, je pense que c'est sensiblement celle que j'avais ici déjà, là. Fait que 2 grandeurs de fourchette, 2 grandeurs de cuillère, des couteaux. Des fourchettes, j'en avais vraiment assez, mais le reste, non. Puis c'est clair que la vaisselle, je veux qu'on le remplit avant de le partir. Fait que plus de vaisselle. On a pris ces 2 tablettes-là. Juste des tablettes qu'on vient mettre au mur comme ça. Je pense que ça a cogné à la porte. C'est Vic qui gosse dans la salle de bain. Juste 2 tablettes qu'on vient mettre comme ça dans la salle de bain au-dessus de la toilette. À la base, on devait prendre des vraies tablettes. Puis là, après, Vic a vu ceux-là. Et c'était vraiment plus beau, je trouve, parce que de un, il n'y a pas de le support en dessous, je sais pas comment on appelle ça. Puis ils sont comme vraiment épais, je trouve que ça faisait comme, je sais pas, ça faisait beau avec des décos là-dessus. Donc on en a pris 2. Ah oui, ça je suis vraiment down, j'ai trouvé 2 supports pour l'épaule des noirs. Fait que ça c'est excellent, j'aurais pas à comme peindre les blancs que j'avais. Fait que ça c'est excellent. Et finalement, vu que c'est pris une affaire comme ça pour faire des drinks, là, il voulait ça. Fait qu'il a pris ça. Costco, pas Costco, mais Ikea, je sais pas comment ça a coûté par contre. C'est Vic qui a payé, fait que j'ai aucune idée. C'est ça nos achats, je vais ranger tout ça. Puis après, je vais installer la pôle à rideau. On va enfin pouvoir mettre dans notre chambre, mais là j'ai pas de rideau. C'est parce qu'on a retourné nos rideaux chez Ikea. Fait que je vais commander les rideaux noirs, mais au moins la pôle sera installée, il restera à mettre les rideaux quand ils arriveront. Je vous ai pas montré les tabourets, mais c'est juste comme ça. 2 petits tabourets noirs en plastique avec les pattes. C'est le même modèle que ça. Parle pas à toi. Quoi? Mais parles-tu? Toi, tu me parles ça, non? Non. Au vlog? Fait que comme ça, noirs en plastique, puis sont comme en meilleur état que je pensais. Tu sais, je veux dire, sont comme pratiquement comme neufs. Fait que vraiment parfait pour le comptoir, là, faut libérer ça. Mais tu sais, à chaque fois qu'on arrive, évidemment, on rajoute du stock, mais vraiment cute. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait pour vraiment pas cher. Puis comme je dis, les chats pourront pas les briser. Fait que le plus grand rêve. Là, je vais venir installer les supports à rideaux. Je viens de les commander, j'ai commandé des noirs comme je vous disais.
Est-ce que c'est ça? Je suis pas sûr de comprendre le principe, là. Ça, ça va comme ça. Prank, je voulais aller courir parce que j'ai envie d'y aller et je pense que ça va bien niveau physique. Sauf qu'elle est plus. Fait que ça ne sera pas possible. Je vais garder mon outfit de course parce que ça dit que ça arrête dans comme 10-15 minutes. Puis c'est pas la grosse pluie, là. Ça serait faisable. Mais je vais venir installer les grilles que j'avais reçues hier. Je vais venir installer ça. Fait que ça va être réglé. On va pouvoir mettre plus de rangement. Je vais enlever un peu de stock. C'est pas les mêmes sizes. Un peu découragé. C'est pas la même grandeur. Il manque une comme rangée. Tout le tour fait que ça ne fonctionne pas. Fait que je vais juste le retourner et mesurer celle que j'ai pour commander la même grandeur. Je suis à bout. Ben à bout.